6 millions de victimes en 20 ans. La République démocratique du Congo, ce sont 60 millions d'habitants parlant 250 langues sur un territoire aussi vaste que l'Europe. Le pays est riche en minerais, or, cobalt, diamants, qui ne profitent pas à la population, mais entretiennent les combats et maintiennent le chaos. Un chaos que l'armée tente d'éradiquer. Ce jour-là, je suis la jeep du colonel Mamadou, qui, en libérant le Nord Kivu 2 mois auparavant, est devenu un héros national. Il a parmi sa garde rapproché 2 femmes que je dois commencer à filmer ce jour-là. En pleine zone sécurisée, la voiture du colonel a été attaquée devant nous. C'est ma bête qui sonne les roquettes. C'est un deuxième tir de roquette qui stoppera le véhicule 1 kilomètre plus loin. Il y a des cadavres dans la cabine. Les hommes du colonel Mamadou sont désemparés. Celui qui était aimé et respecté par tous vient de mourir, ainsi que sa garde du corps, Mado. Séraphine, la deuxième femme de la garde rapprochée du colonel, a pu, elle, sauter du véhicule. Bamba! Zéro! Zéro, mon capitaine! Sur le chemin de l'hôpital, je me dis que le destin est bizarre et la vie fragile. Le colonel m'avait présenté le matin même Séraphine et Mado. Le colonel est mort, Mado est morte, Séraphine est blessée. Tout a basculé. La mort du colonel ce jour-là va provoquer une situation chaotique. Des manifestations auront lieu dans tout le pays les jours suivants. L'émotion, très forte au sein des commandos, mettra du temps avant de se calmer.